Bonjour. Because of Jesus. Bonjour, Will. Je suis en train de programmer TikTok. Ce qu'on va se dire aujourd'hui, ce sera intéressant. Parce que quand je voulais préparer le message, ils me disent, on va te dire sur le champ. On the spot. Donc, je sais qu'il y a des choses très intéressantes qui vont sortir. Il faut que je mette TikTok. Parce que ça fait au moins une semaine que je n'ai pas fait de vidéo sur TikTok. Bonjour et bienvenue. Dorky, je n'ai pas besoin de toi sur ma page. Tu as compris, Dorky? Voilà. Veuillez vous mettre vos commentaires, ça m'énerve. Je vous bloque. Bon. Je pense que TikTok, c'est bon. Je veux que vous compreniez comment on a la relation qu'on a. Je vais vous expliquer la relation que j'ai avec vous sur Facebook. On a une relation détachée. Donc, vous pouvez aller me tromper. Ok. Je peux aussi aller vous tromper. On appellera même plus à tromper. Donc, vous pouvez aller, you can search around, vous pouvez regarder partout. Voilà. Je n'oblige personne à être sur ma page. Vous allez suivre. Tu vas venir ici là, tu payes tes méga, tu viens, tu me regardes, après tu commences encore. Why? Pourquoi tu te fais ça? Ok, on va commencer. Vous vous rappelez de ma clochette? J'ai ma clochette. Je demande la présence des ancêtres, du Saint-Esprit, de la Vierge Marie, des chérubins. Je demande la sagesse qui vient d'en haut, cette sagesse qui ne peut être diluée, qui ne peut être teintée, cette sagesse qui est pure, qui est originale. Que toute personne qui va écouter cette vidéo soit illuminée par la présence du Saint-Esprit. Ceux qui étaient fatigués, que vous puissiez retrouver le confort. Ceux qui étaient abandonnés, que vous puissiez retrouver votre chemin. Seigneur, je te demande la direction pour pouvoir parler aux personnes qui vont m'écouter aujourd'hui. Et j'ai demandé ceci au nom de Jésus-Christ. Amen. Bonjour TikTok. Je ne suis pas là pour faire des discours qui n'ont pas d'importance. Je suis là pour parler de votre propre vie.
beaucoup de personnes, je dirais, je ne sais pas si c'est heureusement ou malheureusement, mais beaucoup de personnes s'amusent avec leur vie. Beaucoup de personnes blaguent. Beaucoup de personnes ne donnent pas d'importance, ne cherchent pas, ne se posent pas des questions. On vit seulement. On veut, on a le désir de changer, mais on n'est pas prêt à faire ce qui est nécessaire pour changer. Tout changement que tu veux dans ta vie, que tu veux voir dans ta vie, que tu veux opérer dans ta vie, ça demande de la persistance. Je vais m'arrêter sur le sujet de la persistance. La persistance, c'est quoi? On est dans une génération où tout est. Dans notre génération, tout est fast. Tu mets le micro-ondes, tu mets un truc là-dedans, 2 minutes plus tard, c'est prêt. Donc, en fait, on a tout rapidement. Tu rencontres un gars, aussitôt que vous êtes mis ensemble, dès que tu fais comme ça, tu clignes des yeux, vous êtes déjà séparés. Donc, si quelqu'un fait 6 mois sans te voir, en 6 mois, tu as eu 2 relations. Tu as eu 2 relations. On n'a pas développé la capacité de pousser dans quelque chose jusqu'à voir comment ça aboutit. Peut-être que vous avez abandonné beaucoup de relations. Vous avez commencé avec des gens, après vous avez terminé. Je suis là pour vous informer que quand il s'agit de votre propre destin, parce que le jour où je me suis rendu compte que Jésus ne viendrait pas changer mon destin, ça m'a un peu énervé. Vraiment, pour être honnête avec vous, ça m'a un peu énervé parce que quand je partais à l'église avant, j'écoutais le pasteur prêcher. C'était genre, ok, comme tu viens à l'église, tu évangélises, tu sais Jésus, il va t'élever. Donc tu n'as rien à faire en fait. Continue seulement d'évangéliser. Continue seulement de. Donc, c'est comme si j'étais dans une bulle. Et une bulle qui me faisait. Je me disais que non, les gens qui sont là dehors, qui ne viennent pas à l'église, ils ne connaissent même pas de quoi il est question. C'est pour ça que beaucoup de chrétiens, tu vas les voir, ils n'ont pas d'argent. Parce qu'ils ne savent pas que même l'argent, pour avoir l'argent, tu dois sortir dans le monde, tu dois aller, tu dois pousser. Tu dois commencer à pousser, tu dois persévérer. Voilà, tu dis que tu as fait 9 mois avec un monsieur. Il t'a refusé parce que tu n'avais pas d'enfant. Tu n'as pas fait d'enfant. Parfois, tu vois, il y a des youtubeurs que je regarde parfois. Tu vas voir un homme, il avait une femme depuis 6 ans, ils n'ont pas eu d'enfant. Eh bien, ils vont prendre le processus pour faire une insémination. Ils vont injecter des trucs sur le fait des injections, injections, injections. Ils vont peut-être faire 3 tentatives. Et au bout de 3 ans ou 4 ans de tentative ou bien d'essai, finalement, ils ont un enfant. Marcel, tu ne peux pas. Si je ne comprends pas, tu peux partir. Tu comprends, Marcel. Mes directs sont généralement très longs. Donc, si tu n'as pas les mégas ou bien si tu es pressé pour aller quelque part, coupe seulement, tu pars. Vous savez, je ne suis pas sur Facebook ou sur TikTok pour les vues. Je ne suis pas là pour les vues. Je suis là pour les gens qui ont la patience. Donc, quand tu es rentré du travail, tu sais que tu as 1 heure devant toi pendant que tu as la cuisine. Pour changer ce qu'il y a à l'intérieur de ta tête. Et vous savez, c'est quand je vois peut-être ce processus, je me dis que c'est quelque chose qui est un peu nouveau pour les Africains. Très rarement, tu vas voir. Dès qu'un homme prend une femme, il fait 1 an avec elle, l'enfant ne vient pas. La famille commence à dire que va dehors faire l'enfant. Va dehors faire l'enfant. Donc, il ne connaît pas attendre. Il se dit que non. Ma femme, que j'ai vu quelque chose dans ma femme.
Parfois, tu peux même te marier avec quelqu'un. Ou vous mettez ensemble. Tu fais un songe. Dieu te montre comment vous avez des enfants. Ou bien vous avez un enfant. Vous faites 5 ans, vous ne voyez pas l'enfant. Vous faites 5 ans, pas de traces, pas de, même pas en retard. Parce que Dieu, parfois tu te mets, tu pries, tu dis, oh Seigneur, élève-moi. Seigneur, donne-moi une place de leader. Seigneur, donne-moi. Le Seigneur t'amène quelque chose, une situation. Il te dit, ok, je vais voir comment tu vas gérer ça. Est-ce que tu vas persévérer? Dieu te donne une idée de business. Ok, crée, tu es peut-être au Canada. J'ai vu les Dragon Dance du Canada l'autre jour. Et il y a un monsieur camerounais, je crois qu'il était baganté. Il est passé avec ses produits africains qu'il avait mis en conserve. Bonjour à ceux qui sont sur TikTok. Merci pour le partage. Merci aussi à ceux qui ont partagé ma vidéo sur Facebook. Et le monsieur disait que ça fait 7 ans qu'il est arrivé au Canada. Et cette entreprise, il l'a construite avec ses économies. Et il a expliqué le processus par lequel il est passé. Jusqu'à arriver devant les gens là. Et la somme d'argent qu'il a demandé, je crois qu'il a demandé genre un truc comme peut-être 50 000 dollars pour 10% des parts. Un des investisseurs qui était là, il a vu comment le business était tellement prometteur. Et là, il lui dit, je vais investir 130 000 pour avoir, je crois qu'il a demandé 30% ou 40%. Donc, il a voulu plus de parts dans ce business parce qu'il savait que ça allait donner. Parce que l'histoire de ce monsieur l'a convaincu que si quelqu'un a pris 7 ans pour construire quelque chose et ne pas abandonner, ça fait déjà une fondation. Et de nos jours, on ne connaît pas ça. Les gens vont venir aujourd'hui, vont me voir. L'autre jour, je crois que toute la semaine passée, j'ai posté beaucoup de photos de moi en 2016, 17, 18, 19, où je faisais des vidéos. Cette semaine que j'ai eu 10 000 abonnés sur YouTube, j'ai la chaîne YouTube depuis septembre 2016. Il y a eu une année où j'ai eu 500 abonnés pendant un an. Je faisais n'importe comment, par mois maximum 4 abonnés qui s'ajoutent. L'autre jour, je reste, YouTube m'envoie le message. Bravo, vous avez 10 000 abonnés. J'étais avec ma fille au salon, j'ai dit, ah, YouTube, c'est que j'ai poussé le truc. Il y a des périodes où je faisais des vidéos tous les jours, j'éditais les vidéos, je faisais avec les designs et tout ça là. Je lui dis que j'ai tellement poussé sur YouTube aussi là que... Et je lui dis que je me rappelle, j'ai eu 1000 abonnés en décembre. Décembre, hein? 2021. Et j'ai eu mes 4000 heures aussi. Quelque chose comme ça. Et je disais à ma fille a 13 ans, je lui disais vraiment, parfois je ne comprends pas la vie. Tu pousses dans quelque chose pendant 5 ans. Donc, je reçois le message de 10 000 abonnés. 4 jours plus tard, j'ai 12 500 abonnés. J'ouvre encore le téléphone, je regarde. Je lui dis, ah, voilà ça que j'ai 500 abonnés par jour maintenant. Quelqu'un va venir, il va voir, il va se dire, ah, toi, tu as la chance, ta chaîne avance. Tu as la chance. Maintenant, quand je te mets, tu parles au client, il achète tes choses. Je peux vous compter le nombre de formations pour la vente que j'ai prises. Le nombre d'heures où je marchais dans le froid en France. J'ai les écouteurs, je suis en train d'écouter comment vendre. How to sell. How to talk. How to be eloquent. How to understand your product. How to close the deal. Comment comprendre ton produit?
Comment faire que les gens achètent ton produit? Ce n'était pas les chrétiens qui donnaient les formations là. Ce n'était pas les chrétiens. Il y a eu une période où tout mon argent partait dans les livres. Audible, Amazon, tous les livres j'achetais. Même jusqu'à présent, j'achète toujours. Je suis en Afrique, mais j'achète, j'envoie chez une amie et elle me les poste. Parce que la douane camerounaise ne prend pas l'argent sur les livres. Donc quand on poste, ça arrive à la douane, pap, il te laisse, ça passe. Quand je suis arrivé au Cameroun en 2019, et je suis arrivé, je ne savais pas que le Cameroun a les situations qu'en Afrique tu dépenses même plus qu'en Europe. J'arrive, le petit argent que j'avais venant de l'Europe est terminé en... parce que je ne venais pas rester. Je venais pour 2-3 mois. Après 2 mois, le Dieu me dit, reste, il faut que je cherche la maison. Tu dois payer 10 mois de loyer en un coup. Hein. Donc multiplie 180 000 par 10. Ça fait 1,8 million. Quand tu prends la maison, il faut aménager la maison. Et je reste comme ça en un mois, je me dis, waouh, je dois aménager, je dois trouver la maison, je dois aménager. J'ai dit, waouh. Le matin, 5 heures, je sors, je prends mes écouteurs, je mets dans les oreilles. On avait un parking. Je courais dans le parking là-même pendant 45 minutes. Il y a des livres, par exemple, comme, il y a un monsieur là, il était dans l'armée. Il était dans la Navy, dans les Marines. Un noir américain. Le livre là, c'était encore quoi là? Et dans le livre, il raconte comment il avait été en surpoids pendant des années. Pendant des années. Et puis à un moment, et dans son enfance, son père abusait de sa mère tout le temps. Donc un jour, sa mère a porté ses affaires et est partie avec les deux enfants. Il racontait comment ils ont traversé presque la moitié des États-Unis en voiture pour aller s'installer d'un autre côté. Parce que leur père avait beaucoup d'argent et il pouvait retrouver maman et la tuer à tout moment. Et c'est comme ça qu'il a grandi en état obèse. Et un beau jour, il se lève, il dit, je dois aller faire le concours de Marines. Il commence à s'entraîner. C'est comme ça qu'il perd le poids. C'est comme ça qu'il passe le premier test, il échoue. L'année d'après, il part, il réussit. Et quand il parle dans son livre, il vous donne le processus. Quelqu'un va le voir aujourd'hui, on va dire, waouh, il passe dans les chaînes de télé, ceci, cela. Il y a aussi Grant Cardone, au moins je me rappelle de celui-là. Grant Cardone. C'est quelqu'un qui a commencé à avoir l'argent vers les 5 ans, 5 ans. Et il nous raconte, dans ses livres, Grant Cardone vous apprend à vendre. Il vous apprend à vendre à n'importe qui. Il a écrit un livre qui s'appelle The 10X Rule. The 10X Rule. La loi des 10 fois plus. C'est-à-dire, au lieu de planifier pour viser 100 000, pourquoi ne pas mettre 1 zéro sur ça? Tu vises maintenant 1 million. Tout ce que tu veux faire, multiplie par 10. Parce qu'il dit que la loi de la nature est que si je vise mon objectif financier, c'est 1 million. Je vais mettre les efforts d'1 million. Ce qui fait que je vais m'en sortir certainement avec 200 000. Maintenant, si en planifiant, j'avais planifié 10 millions, je ne me serais pas retrouvé avec 200 000. Parce que quand je planifie les efforts de 10 millions, ça demande plus de travail, ça demande plus de vision, ça demande plus d'investissement, ça demande plus de... Il faut checker, il faut ceci. Tu ne peux pas te lever, tu dis que mon entreprise va avoir un chiffre d'affaires de 10 millions. Tu mets l'investissement, le travail, tout. Tu vas te retrouver au moins dans les 4 millions. 3, 5, 4 millions ou peut-être 5 millions. Bonjour Laetitia. Oh, dis que je suis ton idole. Oh, mais ça c'est très gentil, ma chérie. Merci. Je n'ai pas eu de mentor. Je n'ai pas eu mon père qui m'a tiré. Je n'ai pas eu... quelqu'un quelque part qui m'a vu, il a dit, viens, je vais te montrer. Tous les hommes que j'ai eu la possibilité d'approcher, même les gens qui ont l'âge de mon père, au départ, tu crois que il veut t'aider jusqu'à ce qu'il commence à te dire que trouve-moi dans tel hôtel. J'ai compris que ce n'est pas la direction là que je veux emprunter. Une fois, j'ai même eu quelqu'un il m'a vu sur Facebook comme ça là. Il s'appelle Alain. Il ne m'a pas dit son nom de famille que je ne connais même pas. Tant mieux.
Il est quitté de Londres. Il est venu me voir en France. Je veux t'aider. Je veux t'aider. Je veux t'aider. C'est là que j'ai compris que si j'ai besoin de coaching, je prends mon argent. Je paye mon coaching. Je paye. Je te donne 1000 dollars. Tu me t'assois avec moi. Je t'ai donné l'argent. Tu fais ce que l'argent paye. Parce que quand tu es dans ton ascension, il n'y a que des loups. Il n'y a que des loups. Écoutez-moi, vous voyez comme je suis belle, non? Regardez comme je suis belle. Vous me voyez, non? Je ne suis pas laide. Quand tu es belle, tu dis que tu vas avancer. Oh my God. Tout le monde croit que tu t'es trompé de parole, que non, je veux coucher avec vous, ou bien je veux... C'est comme s'ils ont mal entendu. Je peux vous dire le nombre de déceptions que j'ai eues. Parfois, quelqu'un vient, te regarde, il dit non, on peut même construire quelque chose ensemble, tu sais. Il écoute tes vidéos, hein. Il écoute ton parcours. Il sait que non, la fille, c'est là. Elle a traversé les choses. Comme il vient vers toi, là, il vient augmenter sa part sur ça. J'ai eu des détours non nécessaires que j'ai eu dans mon âme, dans mon ascension. Parfois, je vois, je dis que, ah, tu m'as fait 3 semaines dans ma vie. Tu vois quelqu'un, il te dit, j'ai 32 maisons à Londres. Ma fille a rencontré le même cas de figure pour sa boîte que des loups. C'est bien qu'on en parle parce que les gens ne parlent pas de ça. Les gens n'en parlent pas. Bonjour Yvette. Et ça décourage beaucoup de jeunes femmes. Beaucoup. Et comme je vous dis, quand elles parlent comme ça, là, je me rappelle les soirs où je suis rentrée. J'ai pleuré. Je me dis que donc on ne peut pas réussir si on est une femme. Une femme qui a dit qu'elle ne va pas faire ça. En Europe, j'ai eu des collaborateurs comme ça. Du coup, quand il sait, parce que quand il sait, oh, il n'y a pas d'homme derrière elle. Oh, mais ça va. Il n'y a pas d'homme derrière elle. Ça va. Vous passez un accord. Il va te faire le taper d'eau. Tu reviens le jour où vous êtes entendu. Je dis, mais tu avais dit que... Il sait intérieurement qu'il t'a promis ce qu'il t'a dit, c'est que tu t'avais dit. Je me rappelle, il y a eu un monsieur, j'ai pris sa maison en Angleterre. Quand j'ai pris sa maison, ça faisait même 5 mois, personne ne voulait louer. La maison était gâtée, sale. C'était un Pakistanais. Je prends sa maison, je fais 5 mois dans sa maison. Je retape sa maison. J'arrange. J'ai une onction pour la déco que je ne sais même pas comment. Je peux prendre ta maison, ça doit tomber, je te la refais. Après 5-6 mois, le monsieur voit qu'elle allait arranger ma maison. Elle met les locataires dedans, elle commence à voir l'argent. Un bon matin, il se lève et dit que non, je vais reprendre ma maison. Je vais reprendre ma maison parce que je vais faire quoi. Mais toi, tu le regardes. Je dis que quand je prenais ta maison, tu comptais pour un contrat de 2 ans, non? Mais oui, mais tu sais, les choses changent. J'ai laissé tout ce que j'avais mis dedans. Tout ce que j'avais arrangé, les murs qui tombaient, que j'avais arrangé, tout ça là. J'ai porté mes meubles, je suis parti, j'ai libéré sa maison. Parce que vous savez, tout ça, c'est sur le chemin. Ce sont des choses qui te forgent. Mais quand tu traverses ça, tu ne sais pas. Quand tu traverses ça, tu te dis, c'est pour ça que tu dois absolument avoir le bon mindset. Parce que quand tu traverses ça, tu te dis que hey, le monde est injuste. Oh là là, le monde est injuste. Monica qui dit, j'ai fait 1 an ici, au USA, j'ai postulé pour le travail.
Mais les managers me demandaient d'être leur copine partout où je suis allée. Et tu étais dégoûtée, oui. C'est des choses que parfois tu ne peux pas croire que c'est ça, mais. Et je dis parfois, quand tu as tes principes et que tu as décidé que. Hier, j'ai enseigné sur le caractère. Ceux qui ont écouté la vidéo que j'ai faite sur Facebook hier soir, le caractère, la fidélité. Je vous assure, il y a des gens qui sont au top et qui sont fidèles. Il y a des gens qui sont au top et qui sont justes. Je sais que ça paraît, je ne sais pas, presque impossible pour certaines personnes. J'ai eu des moments dans mon ascension où je me suis dit, peut-être il faut que je change un peu. Hein. Peut-être il faut aussi que je devienne comme les gens ici. Quelqu'un te donne sa parole, dans 2 jours, il change. Ou bien dans un mois, il change. Joseph, tu dis, j'ai vécu ça. Ces gens viennent, ils commencent à te raconter, je vais t'aider. Oh, je n'aime même pas entendre ça. Tu n'aimes pas quelqu'un, tu vas me. Dès que tu dis que tu vas m'aider, je te demande toujours que tu veux quoi en contrepartie. Si elle peut payer, ok, on fait. Si elle ne peut pas payer. Et ça, c'est une leçon que j'ai apprise sur le chemin. Accepter trop de faveurs non justifiées. Ça conduit toujours à la fin, même de femme à femme, dans les relations femme à femme. Chaque fois que j'ai une femme, parfois j'ai des femmes qui arrivent, elles me commencent à me suivre. Oh, j'aime trop ce que tu fais. Oh, tu veux quoi? Et I'm good. I'm good. Je manque de rien, ma chérie. J'ai 2 maisons. J'ai la voiture. Je ne manque pas. Si elle veut me déplacer, je me déplace. Je veux voyager, voyage. Ne te dérange pas, I'm fine. Elle porte un truc comme ça, elle t'envoie. Elle reste à faire le transfert. Elle reste à faire. Un jour, quand tu lui fais comprendre que ce n'est pas toi qui es Dieu, que tu n'es qu'un vaisseau que Dieu a utilisé pour parler dans la vie de cette personne. Une affaire comme ça, et je pense que c'est l'une des rares fois où j'ai fait l'erreur de laisser que quelqu'un que je n'ai jamais vu physiquement, que cette personne ait accès à moi. C'est pour ça que vous allez voir ceux qui me suivent, je suis très. Je mets beaucoup je mets des barrières. Ça devient une certaine dépendance. Une obligation. Voilà. Voilà. L'obligation, là, c'est ça, le mot est obligation. Elle arrive, ouais, tout le temps. Elle fait. Même si elle achète des produits, je lui dis que comme tu achètes des produits, c'est toi qui as. Les produits que tu achètes, c'est pour toi, mamie. Je vends. Si tu veux, tu fais la commande de 1 million. N'achète pas parce que tu veux que tu rentres dans mes faveurs. Parce que tu ne les auras pas. Je ne flatte pas les gens. I don't like la gens. Je n'aime pas les flatteries. La flatterie pour moi, c'est comme. C'est comme. Je n'aime pas qu'on me flatte, je n'aime pas flatter. Donc quand cette personne s'est retrouvée, donc, je lui ai présenté une personne qui était proche de moi, mais qui ne faisait pas. Qui n'était pas vraiment dans des choses de spiritualité si la personne n'était pas dans ça. Et maintenant que tu n'as rien demandé, tu prends, il n'y a pas de souci. C'est ta façon de voir les choses. Je ne force personne. Donc, cette personne que je lui ai présentée, cette personne a commencé donc à lui demander, mais pourquoi tu fais autant pour cette femme? Pourquoi? Qu'est-ce que la femme t'a même fait? N'est-ce pas, c'est seulement la femme ce qu'elle connaît ici. Qu'est-ce qu'elle a fait? Pourquoi? Pourquoi? Donc, il a commencé à lui mettre des idées dans la tête. C'est vrai aussi qu'il y avait la relation amoureuse qui a été impliquée. Donc, cette personne qui me faisait tellement de faveurs, c'était tellement. Elle donc s'est retournée. Et c'était l'une des fois où j'ai compris que je ne sais pas quoi peut dire. Et quand je pense même bien, quand je pense bien, c'est pas comme si cette personne m'envoyait de l'argent ou bien. Non. Une fois que quelqu'un va venir, va commencer à payer sa dîme. Croire que parce qu'il paye sa dîme chez moi, je vais commencer à. Non. Ta dîme que tu payes, c'est pour ta bénédiction. Donc, ça c'est l'une des rares fois où j'ai eu une relation femme-femme. On va dire pour une relation femme-femme, j'ai eu 10 relations homme-homme qui. Homme-femme. Donc, des hommes qui arrivent. Oh, ouais, grand. Oh, tu es comme mon grand frère. Et il n'aime pas ça. Il te présente sa femme. Tu vois qu'il a 4 enfants avec la femme. Elle accouche même le 5e.
Tu dis félicitations. Après, il vient derrière. Il te dit, si je vais t'aider. Il ne dit même pas ça comme ça. Il ne dit pas comme ça. Ok, tonton, je veux que tu m'aides un peu. D'accord, viens. Viens à l'hôtel là pour que je te donne l'argent. Tu arrives à l'hôtel, tu appelles, tu es en bas. Je suis en bas. Puis monte à la chambre 402. Pourquoi il veut me donner l'argent pour m'aider pour mon business dans la chambre? Ça, c'est la situation que j'ai vécue. Hein. Aïe, aïe, aïe. Et la personne connaît que là où tu es, tu as le contact du fournisseur. Il te donne l'argent pour acheter la marchandise ou bien une partie. Et le fournisseur de cette marchandise-là, c'est lui qui a le contact. Donc, il sait que comme tu es là, tu n'as pas le choix. Ça m'a fait prendre des coups du... Je peux dire que deux fois dans ma vie, j'ai été avec des hommes par intérêt. Moi, je vous le dis clairement. Hein. L'un d'entre eux, c'était pour avoir ses kaolo. Ouais, c'était pour les kaolo. Parce que je sais que vous ne pouvez pas me regarder comme ça, vous dites que moi, je suis blanche, genre, comme je parle, je n'ai jamais. Et je pense que dans ce processus, Dieu m'avait même beaucoup aimé. J'étais dans une situation où je n'avais pas de papier, je n'avais pas de travail. Je me disais non, il me faut. Et je me suis impatientée. Ok, il faut que je trouve... Donc je suis tombée sur cette personne qui n'était pas mariée. Et la personne était bien plus âgée que moi. Donc vraiment, je parle, la personne a dépassé mon père de 2 ans. Donc vous imaginez un peu. Donc on a commencé la relation. Et au début de la relation, je sais très bien que dans mon esprit, parce que je voulais être stable, j'étais fatiguée de souffrir. Je ne savais pas que la personne aussi avait son agenda. Parce que la personne savait que les jeunes filles africaines ou que les Camerounaises sont trop intelligentes. La personne savait que les Camerounaises sont trop intelligentes. Donc, il faisait semblant d'être dupe, like, you know. Moi, je ne connais rien, tu sais. Quand tu me dis que tu m'aimes, j'accepte sinon. Donc, on a donc fait la procédure. Et on l'a envoyé. Quand on a envoyé la procédure, je pensais que c'était déjà fini. Tu vois, ils n'avaient pas que quand on envoie, ce n'est pas... Donc, genre, quand on envoie, tant que le home office ou bien les gens là n'ont pas dit que, ok, on t'a donné le papier, ce n'est pas terminé. Donc, me voilà... On envoie le papier. Je ne sais pas ce que j'ai à l'œil ici, là. On envoie le papier, non. Dès que c'est envoyé, je me dis, ben voilà, je suis déjà débarrassé de la personne. Ça, c'était en 2012. Donc, ce qui s'est passé, c'est que quand on a envoyé le truc, j'ai rompu avec la personne. Je me disais que j'ai déjà utilisé ce que j'ai rompu. La personne est partie, a écrit... raconter que je l'ai utilisé, raconter que l'eau jetée derrière le bout de ses papiers, gâter mon dossier. Et il envoie une copie à ces gens-là, il envoie une copie à mon avocat, il envoie l'autre dans mon email. Je me lève le matin là comme ça, j'ouvre mes emails. Et maturier, j'ouvre mes emails, je vois la lettre. J'ai cru que le sol s'est ouvert et qu'on m'a jeté dans l'enfer. Je ne sais pas comment on peut dire. Je pense que c'était l'une des premières fois où j'ai été appelée à faire confiance à Dieu. J'ai pleuré. Et le truc, c'est que cet homme, je l'avais rentré. C'était quelqu'un qui était un ancien dans l'église. C'est-à-dire qu'il était dans l'église depuis longtemps. Et quand je suis arrivé, pour moi, c'était encore le début. Je venais de me donner ma vie à Christ. Donc, il y avait encore un peu du monde dans moi, comme ils disent à l'église. Et c'est aussi quelqu'un, j'aurais dû comprendre que c'était quelqu'un aussi qui était mafiosa, parce que
Je le rencontre à l'église, on dit qu'il ne faut pas coucher ensemble avant le mariage. Quand il me dépose le soir avec sa voiture, il me dit, voilà, tu sais, les trucs de l'église, là, moi, je pars là-bas seulement pour faire l'acte de présence. Et on n'a pas besoin de respecter tout ce que le pasteur dit. Donc, c'est comme ça que je me suis retrouvée pendant les 2-3 mois, en attendant que je fasse mes papiers. J'avais donc des relations sexuelles avec cette personne. Et le dimanche, on se retrouvait à l'église ensemble. Donc, et pendant un mois, on a vécu. Parole de Dieu. Écoutez, moi, je suis transparente. Je sais que vous aimez quand on vient devant vous, on vous dit, oh, moi, je n'ai jamais fait d'erreur. Comment toi, tu as osé faire l'erreur? Je vous dis. Je vous le dis cash. Et pendant un mois de ces 3 mois, on a vécu dans la même maison. Quand on sortait de la maison en voiture, il me dépose à une certaine distance, comme c'était l'arrêt de bus. Il arrive à l'église d'abord. Moi, je marche. J'arrive. Donc, parfois, il part au parking, il garait, il arrive avant moi. Parfois, j'arrive avant lui. On arrive, on danse. Hey, le Seigneur, God is good. God is good. Hey. Après, on part dans la voiture, on fait comme si on rentrait maintenant pour qu'il me dépose. Alors qu'on rentrait chez nous. Et c'est là que j'ai compris. Parce que quand on a fait ça pendant un mois, mon esprit m'a tellement... Je sentais, on dit convicted. J'ai dit que non, je ne peux pas. Si peut-être toi tu l'as fait pendant des heures, je ne peux pas. I just can't. On a fait ça pendant un mois. Un jour, il est rentré, j'étais à partir. J'avais pris mes choses, je suis partie. Parce que j'avais une grande maison que j'avais pris. Donc j'avais toujours une chambre. À tout moment, je pouvais repartir là-bas. J'avais pris mes choses et j'étais rentrée dans la maison. Et je ne sais pas comment on peut dire. C'est comme si j'avais calculé. Et quand je suis rentrée, on avait déjà lancé justement ma procédure. Donc quand cette personne donc, a envoyé le truc, la lettre, pour dire que voilà, elle est avec moi seulement pour mes papiers, nanana. J'ai donc pris la lettre, j'ai montré au pasteur. Et j'ai dit toute la vérité au pasteur. Je pense que c'est à ce moment-là que j'ai commencé à nettoyer mon cœur. Like. Je suis allé devant le pasteur, j'ai dit voilà, voilà comment on vivait. Quand on venait ici à l'église, on prétendait, voilà, 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 voilà. Le pasteur m'a dit, ma chérie, tu t'es mis dans ton pétrin toi-même, mais le Dieu que nous servons, c'est un Dieu qui peut réparer les choses. Si jamais on revient vers lui avec la with a contrite heart, you know, avec un cœur qui est sincèrement désolé. Natacha, ma vie a les épisodes. Je crois qu'il faut que j'écrive un livre sur ma vie. Parce que j'ai pour beaucoup de jeunes filles de 22, 23 ans qui me suivent. J'ai même une secrétaire qui a 22 ans. Et l'autre jour, quand elle a vu mes photos avec où je racontais mon histoire, c'est là qu'elle disait que waouh, quand on vous voit, on ne peut même pas imaginer que vous avez traversé tout ça. Je lui dis que malheureusement, on ne vous montre, on ne vous dit pas tout. Tu peux me voir, tu as tes 22 ans, tu viens, tu me vois, je suis dans la trentaine. Tu te dis voilà, je veux aussi être comme elle, je veux être comme elle. Il faut quand même que tu saches ce que j'ai traversé. Ok. Et c'est donc comme ça que ça, c'était en décembre 2012. Je vous assure, je suis rentré chez moi, j'ai mis mes genoux au sol. J'ai parlé à Dieu. J'ai dit que Seigneur, si tu me sors de ceci, je vais te servir. Une semaine passe. Et j'avais bloqué le monsieur. Donc je pense aussi que le Seigneur m'a même beaucoup aimé. Parce que cela a fait que ça donne une raison vraiment pour que je coupe tout contact avec cette personne. Une semaine passe. 2 semaines passent. Chaque jour quand il rentre, je check mes mails, je check, je regarde. Parce que même l'avocat a dit que lui-même, il ne peut rien faire. En janvier, c'était peut-être le 12 ou le 14 janvier, je reçois une lettre où ils me disent que l'application initiale que j'avais déposée, n'était même pas passée. Parce qu'il y avait une case que je n'avais pas cochée. Like payment method. Ceux qui étaient en Angleterre avant qu'ils faisaient les papiers,
Tu faisais un chèque postal. Tu pars à la poste, tu donnes ton argent. Ils te font un chèque. Et tu mets ce chèque maintenant dans la lettre que tu envoies, dans les papiers que tu envoies au home office. Donc, en envoyant, je n'avais pas coché la partie où on dit method of payment. Donc, je n'avais pas précisé que je payais par chèque postal. Et comme tout là-bas, c'était un système informatisé, donc quand ils prennent ton formulaire, ils mettent dans la machine et c'est la machine qui prend tout. Donc, j'ai déposé ça et tout ce nombre de temps après, mon truc n'était pas rentré dans le système. Donc, quand il a envoyé la lettre, cette lettre est partie, ça n'a trouvé rien. Donc, en fait, je ne sais pas comment expliquer. C'est un peu quand tu envoies la lettre et dans sa lettre, il y avait mon case number. Parce que c'était quelqu'un qui était un comptable. Et c'est après que j'ai compris que l'homme l'a comploté même déjà contre moi depuis. Il avait gardé toutes mes lettres du home office, tous mes détails. Donc, quand il a envoyé la lettre, il a envoyé la lettre spécifiquement à l'agent qui avait dit j'ai reçu ton application. En fait, c'était la noirceur du cœur de l'homme. C'était resté comme ça m'avait choqué. Il avait mis mon case ID number. Il a mis numéro 178, ta 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 ta. Il écrit à la personne, il fait, j'ai dit que Jesus, donc même si ça arrivait dans le service, ce genre, on avait porté la lettre, on avait déposé son bureau quand il arrive le matin, que tac. Donc je reçois la lettre, on me dit que mon application n'est pas rentrée dans le système, qu'il faut que je reprenne à zéro. L'année 2013, pour moi, c'est une année de consécration. C'est une année où Dieu m'a beaucoup parlé sur ce que je suis en train de faire actuellement. Je me suis mise comme ça, j'ai remercié Dieu. J'ai lancé les groupes de prière à l'église. C'est l'année-là où j'ai commencé à vendre les croquettes. Je dis que les jeûnes de 40 jours, j'en ai fait l'année-là, de janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre. J'étais devant les jeûnes 40 jours, ça finit, je fais 2, 3, 4 jours. Je reprends encore 40 jours. Oh my God. Je suis passé dans l'abstinence, la consécration. Je faisais même des jeûnes secs. Fait 10 jours, je bois seulement de l'eau. Et les révélations, le Seigneur commence à me montrer les jougs qu'il y avait sur ma famille. Le Seigneur commence à me montrer, j'avais coupé mes cheveux, Donc, je pense que Dieu m'a beaucoup aimé. Quand je pense à mon histoire, je pense que Dieu m'a beaucoup aimé, vraiment. Parce que moi, je plane, et quand en 2012, j'ai encore fait, 12, 13, 14, 15, j'ai encore fait 3 ans avant d'avoir mes papiers. Donc, je me rappelle, le Seigneur m'a montré des choses. Il m'a montré mon appel, ce que je suis en train de faire actuellement. Et il y a certaines choses que ce n'est pas seulement quelqu'un qui doit te dire. Il y a certaines choses que, il y a des moments de ta vie où tu dois te rapprocher de Dieu. Et c'est comme si c'est une notion qui vient sur toi à un moment de ta vie. Genre, on veut que je te parle, ça fait 3 ans, hein. Non, pardon, ça fait 10 ans, pardon. Si on fait 2012-2022. Donc, ce que Dieu m'a montré à ce moment-là, c'est en 2022 que ça a commencé à se réaliser. Je me rappelle, il y a des nuits, le Seigneur m'a montré ce qui attachait ma famille. Il m'a montré même le problème des Noirs en Europe, comment les Noirs souffrent. J'ai fait un rêve où il m'a montré comment quand quelqu'un arrive à la frontière, le diable prend les rêves de la personne. Et ton seul rêve qu'il te donne, c'est de poursuivre le passeport au Bordeaux. Et dans le reste, c'était tellement démoniaque. C'était tellement démoniaque. C'est comme si ça détruisait la destinée des Noirs. Je me rappelle ce rêve en particulier. Je me suis réveillé, j'ai fait des prières. Et quand je faisais les jeûnes, il y avait des jeûnes que je faisais, c'était pas pour ma vie. Je jeûnais seulement que Seigneur. Aide les Camerounais, Seigneur, aide la francophonie. Seigneur, il faut que les Noirs puissent devenir aussi riches. Il faut que. Oh my days. Ce n'est même pas que je priais que Seigneur donne-moi les papiers. Je crois que très rarement, je mettais même mes papiers encore dans mes rêves. Dans mes demandes, pardon, dans mes prières. À l'église, à ce moment, en 2013, j'ai commencé un groupe de prières. C'est-à-dire, les mardis, je rassemblais les femmes. Parce que j'étais une maman célibataire. Et dans les églises nigérianes, très strictes, quand une femme n'est plus vierge, quand tu arrives là-bas, tu ne peux plus être la femme pasteur idéale. Tu n'as plus le profil parfait. Parce qu'on va voir, elle a déjà l'enfant. Donc son profil est déjà gâché. Ce qui fait que on ne me donnait pas de. Je ne pouvais pas chanter dans la chorale.
Je vous dis que, like, je vois pas tout praise and worship, whatever. Il m'avait mis nulle part. Donc, dans la nuit, dans la nuit, dans mes prières, je disais, Seigneur, donne-moi quelque chose. Il m'a dit, commence le ministère de la prière, de l'intercession. C'est comme ça que j'ai commencé. Et je vous dis, il y a eu tellement de témoignages. Je me rappelle un témoignage en particulier. En 2013, on priait à ce moment-là. J'ai une amie, son mari venait, elle venait de découvrir que son mari la trompait et qu'il avait eu un enfant dans cette relation. Et je me rappelle une prière qu'on avait faite en 2013. Seigneur, que cet enfant un jour vienne chez ma copine et qu'elle dorme avec elle comme son propre enfant. Cet enfant à l'époque avait un an. Aujourd'hui, en 2013, elle avait un an. Donc en 2022, je crois qu'elle doit avoir 10 ou 11 ans. Ma copine a fait deux enfants dans son mariage. Et cette fille vient souvent en vacances chez elle. Cette fille dont la mère c'était une blanche, elle détestait ma copine déjà, qu'elle voulait seulement détruire sa vie. Aujourd'hui, les deux femmes-là sont alliées jusqu'à... La blanche, là, l'appelle, elle demande conseil sur son propre foyer. Je m'appelle un jour en particulier, on s'est mis, on a arrêté nos mains. Elle m'a avoué que mon mari a fait... Je ne connaissais pas son mari, elle m'a dit que mon mari a fait l'enfant dehors. Je veux qu'on prie pour cet enfant, je veux pas que l'enfant là soit perdu. Je veux avoir l'opportunité d'influencer l'éducation de cet enfant. Ça a pris 5 ans pour que l'enfant là puisse venir chez elle. 5 ans. Aujourd'hui, quand tu la vois, les photos de Noël, Christmas, l'enfant passe à que chez elle. Donc, c'est là que j'ai commencé à croire que Dieu avait un appel sur ma vie. Et à ce moment-là, 2013 aussi, j'avais arrêté. Avant ça, en 2011 et 12, je faisais les conteneurs, j'envoyais les conteneurs en Afrique, je faisais le business, j'ai arrêté le business. Je me suis consacré maintenant à l'église. Et on a commencé à collecter les fonds pour avoir, pour acheter un immeuble, un building. Un jour, en priant, le Seigneur me dit, fais les beignets, les croquettes, les caramels, tu vends. Une portion du bénéfice, tu donnes à l'église, une portion, c'est pour toi-même. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé ce business. Et pendant au moins 3 ans en Angleterre, la vente de ces petits trucs que je faisais, ça m'aidait. Et pendant tout ce processus, c'est comme ça que j'ai découvert mes dons. C'est comme ça que j'ai découvert, j'ai appris à parler. Je sortais, j'évangélisais. C'est comme ça que j'ai appris à parler l'anglais. Dans la rue, c'est pas à l'université. Et beaucoup de personnes parfois attendent qu'on vienne leur donner quelque chose à faire. Parfois, Dieu t'a déjà montré pas les besoins que tu vois autour de toi. Mais pour moi, pour mon cas, je voulais trop être comme tout le monde. Je voulais accélérer les choses. Je voulais vite avoir mes papiers. Je vous le dis. De 2009 à 2015, je n'avais pas de papiers en Angleterre. Moi, j'étais fatiguée, que je ne veux plus. Je veux aussi chercher un homme, je sais même quoi ça, je cherche les papiers depuis. J'ai attendu 2009, 10, 11, donc 10, 11, 12, il fait 3 ans. Après, je suis allée, c'est là que j'ai trouvé l'homme, là, j'ai commencé à vouloir chercher avec lui. Quand j'ai fait les 6 mois là avec lui, ça n'a pas donné. J'ai arrêté, Seigneur, je m'excuse d'avoir voulu faire mes papiers moi-même. Je m'excuse d'avoir voulu, parce que parfois, bonjour monsieur Greg, parfois, on est fatigué d'attendre et on veut accélérer les choses nous-mêmes. Et quand tu es en train d'accélérer les choses, tu connais. Tu sais, Dieu, quand tu te mets avec un mauvais gars, dans ton cœur, tu connais. Quand le gars n'est pas bon pour toi, dans ton cœur, tu connais. Et malheureusement, l'Europe met tellement de pression sur les gens. Que parfois, tu es en Europe, tu te retrouves en train de faire ce que tu n'aurais jamais imaginé que tu peux faire. C'est pour ça que je ne peux pas juger quelqu'un. Tu ne peux pas. Merci, Michael. Tu ne peux pas juger quelqu'un. Parfois, tu vas voir quelqu'un, il arrive, c'est chaud. Après, il ment. Et l'un des trucs que le diable fait quand vous partez mentir pour avoir l'ongunda. Le diable va te faire passer même devant 20 tests, 20 personnes, pour que tu dises le même mensonge.
dit que madame, apprêtez-vous, vous allez passer. Je dis que Seigneur, j'ai prié ce matin, Seigneur. Seigneur, je ne veux plus mentir. Donc voilà, tu arrives. On dit, madame, qu'est-ce qui vous est arrivé? Oui, voilà, c'est rentre, je suis. Il y en a qui disent qu'ils sont homosexuels. Oui. 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 Vraiment, mon cœur va vers vous. Hein. Il y en a, tu fais l'enfant, tu dois manipuler un homme pour qu'il reconnaisse l'enfant. Oh, Seigneur, que le Seigneur vous donne de la grâce. Que le Seigneur vous donne la grâce pour vous décharger de vos fardeaux. Que le Seigneur vous donne la grâce pour sortir des mensonges dans lesquels vous êtes entrés et qui ont fini par vous attacher. Je ne vous mens pas. Et c'est quand quelqu'un en Afrique ne peut pas comprendre ce qu'il dit. Quand quelqu'un en Afrique ne peut pas comprendre ce que je dis. Non. En Afrique, tu vis chez ta tante ou tu vis dans la maison familiale. Tu as quel problème? Tu as quel problème? Tu arrives en Europe, la personne qui t'a accueilli, après 2 semaines, il te dit que ma chérie cherche-toi. Il te convoque, elle te donne l'option que tu peux aller faire la prostitution. Je vous le dis cash. Que voici, tu peux aller faire la prostitution. Il y a même des gens que quand elle te prend au pays, tu crois que tu peux là-bas garder ses enfants. Dès que tu arrives, elle organise la fête. Il y a une fille qui m'a donné une fois son témoignage comme ça. Sa soeur ouvre elle fait la fête. Les hommes arrivent. Ah, c'est elle ici, hein, c'est elle ici. Ah, il y a Wanda que même. Tu fais la fête à mon honneur. Pourquoi? Après le premier client de ce soir. Le premier client, sa soeur dit non, on va leur accompagner. Si tu dis n'importe quoi, il faut faire. Va. Elle arrive dans la voiture. Voilà. Après, il veut la couper, tu veux la toucher un peu, genre. Il dit, mais ta soeur ne t'a pas. Elle m'a dit qu'elle a parlé avec toi, non. Elle m'a déjà pris mon argent. On sent que la fille est partie de chez sa soeur, là. Soeur, entre guillemets. Te voilà dans la rue, non. Dès que tu es en bain, tu es dans la rue. Qui va t'aider? Et t'assure que quand tu ouvres sa porte en Europe, il a quelque chose qui calcule derrière toi amèrement. Quand il vous parle comme ça, il y a des gens qui m'ont hébergé. J'ai des personnes que tu savais que non. Quand la personne est arrivée ici en Europe, je l'ai hébergé chez moi même pendant 1 mois. Toi, tu es dans le besoin, la personne t'héberge. Vers la fin, tu vois que ça. Il vit avec sa femme. Et c'est quelqu'un qui est lié à toi par alliance. Il commence à te draguer. Tu dis, attends, c'est comment? J'ai des moments où je dormis dans ma voiture parce que j'avais dit que je ne veux pas aller chez telle ou telle personne. Et tu sais, le plan que l'ennemi a, c'est qu'un. Il veut enlever cette intimité que tu as avec Dieu. Parce qu'à un moment, quand tu as tellement fait tellement de faux trucs pour t'en sortir, tu te retrouves comme dans un truc que ça t'a tellement pris que tu dis, ah, peut-être j'ai fait aussi ce grand nom. Ah, ton cœur devient insensible. Et vous savez que le Seigneur aime le cœur. Oh Seigneur. Seigneur, ramène-nous dans la pureté. On avait avec toi avant. Quand le Seigneur a vu la prostituée que tout le monde accusait, il s'est tourné, il a regardé les gens là, il a dit que celui qui n'a jamais péché, qui jette la première pierre. Je ne sais pas pourquoi, c'est comme si je sens vos douleurs, je sens comme s'il y a beaucoup de personnes ici là, que il y a beaucoup de choses dans votre cœur que vous avez. Vous vous accusez vous-même que Dieu ne peut pas m'aimer. Dieu ne peut pas m'aimer parce que voilà, regarde tout ce que j'ai à faire. Dieu ne peut pas m'aimer. Seigneur, je demande que tu donnes à cette personne qui m'écoute la capacité de comprendre que tu ne l'as pas abandonné. Ceux qu'on a abusé sexuellement de vous,
Les gens ont profité de votre confiance. C'est qu'il y en a parmi vous, vous avez dû faire des choses inacceptables carrément, parce que vous n'aviez pas le choix. Je veux vraiment que pendant cet instant, que vous puissiez vous décharger votre cœur de cela. Quand tu viens à Dieu, Dieu ne te juge pas pour ce que tu as fait. Dieu veut seulement savoir, ok, maintenant, là, est-ce que tu demandes pardon? Est-ce que tu es désolé? Je crois que je vais vous mener dans une prière de confession de foi. Donc, ceux qui le veulent et que ça vous touche, répétez après moi. Éternel des armées, Dieu tout-puissant, Dieu trois fois saint, je viens à toi ce matin. Je te présente ma vie. Je te remercie parce que tu m'as soutenu jusqu'à maintenant, Seigneur. Seigneur, je demande pardon pour toutes les fois où je t'ai renié par mes actes et par mes paroles. Je demande pardon pour toutes les fois où je n'ai pas su dire non. Pour toutes les fois où j'ai voulu ressembler aux autres personnes. Je viens déposer tous ces péchés à tes pieds, Seigneur. Viens dans mon cœur, Seigneur Jésus. Restaure-moi. Rétablis cette connexion que j'avais avec toi. Je lave mes mains de tout péché, Seigneur. Je les dépose au pied de la croix. Seigneur Jésus, transforme-moi. Je t'accepte comme mon sauveur. Je t'accepte comme mon Seigneur. Restaure ma vie, Seigneur. Arrange à ta façon, Seigneur. Donne-moi la capacité de voir ce que tu es en train de faire. Donne-moi la patience de t'attendre. Donne-moi les oreilles pour t'écouter. Donne-moi la sagesse pour faire ce que tu me demandes de faire. Je te donne mon corps. Purifie-moi. Au nom de Jésus. Amen. Certains d'entre vous, c'était les actes sexuels que vous avez commis. Faites un bain avec du sel. Si vous avez du sel de l'Himalaya ou du sel rouge, vous lisez le psaume 51. Faites ça pendant 3 jours. Vous suivez. Faites ça pendant 3 jours. Si vous avez été, il y a des personnes, il y en a parmi vous avez été dans des relations. Parfois, à certains moments, tu étais avec 3 personnes, tu couchais avec 3 hommes en même temps. C'est que je ne me disais pas avec telle personne, je ne me disais pas avec telle personne. Le Seigneur m'a montré en fait qu'il y a tout ça qui pèse sur vous. Et dans le monde de l'esprit, il m'a montré aussi que c'est un joug. C'est une sorte d'emprise que l'ennemi a sur toi. Que tant que tu ne confesses pas ça, ça va, il va te tenir avec ça. Si tu es indisposé, tu le fais quand tu finiras tes règles. Tu sais, c'est Dieu qui te sort de la fornication, ma chérie. Je ne peux pas vous dire le nombre de fois où je forniquais. Je viens, je dis, Seigneur, je ne forniquerai plus. Seigneur, adieu, je ne forniquerai plus. Le soir, tu fais quoi? Tu regardes le message. Je peux venir. Je fais, ok. Oh, c'est mon visionnaire. Hein? 2 coups plus tard, je suis sur mon lit, je dis, oh non, qu'est-ce que j'ai encore fait? Il y a certains d'entre vous, vous avez le joug de la fornication, ça vient de vos parents. Les malédictions générationnelles, c'est des trucs qui sont très, 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 ça se cache beaucoup, c'est tricky. Et parfois, l'ennemi vous attaque parce qu'il connaît votre destinée. Moi,
J'ai eu des périodes de ma vie où je ne me reconnaissais pas. J'ai eu des périodes de ma vie où je reste comme ça. C'est comme si soudainement, tous les hommes te voyaient. Tu marches même dans la rue en Bengo. Bengo, on ne drague pas dans la rue. On te drague dans la rue. Pas une personne, pas deux personnes, pas trois personnes. Tes collègues, tout le monde. Il y a les jougs familiaux. Qu'on a dit que dans ta famille, là, vous tous là, vous serez que des prostituées. Les achats, là, tu montes, tu descends. Donc c'est bizarre. Tu te retrouves que tu es dans l'acte. Après, tu sors de là, tu dis, qu'est-ce que j'ai fait comme ça? C'est aussi quelque chose qui t'empêche de te consacrer. Donne ton désir, ta volonté. Confie cette volonté à Dieu. Give your will, your will. Et il y a aussi un autre esprit qui va faire que tu veux seulement t'habiller sexy. Tu veux seulement. Mais tu restes comme ça, tu veux seulement faire des statues ou tu fais des trucs bizarres. Tu vois, il y a un truc sexuel qui est entré dans toi. Tu fais des trucs, tu sors la langue. Tu fais des trucs. Tu ne comprends pas ce qui t'arrive. Ce que j'ai compris, c'est que quand ça t'arrive d'abord, la période-là, sache qu'il y a une bénédiction qui est en train d'arriver après. Parce que l'ennemi est très sage. The devil is very tricky. Very, very wise. He's cunning. Tu es seulement attiré par les statues des filles qui font tu te lèves le matin, tu cherches les positions pour te filmer. Les positions sexuelles là. Tu vois ça, tu prends la photo, tu fais tchic, tu regardes, tu édites, tu mets les filtres, tu mets les trucs sur ça. Écoutez, hein, j'ai traversé tout ça. Il y a une période en 2019 où j'ai porté le soutien. Je me suis filmé, j'ai mis sur mon statut. Et ce truc-là m'a traversé. Ça a duré 3 mois. C'est comme si je devenais folle. Parfois, tu es même dans la relation, comme tu dis, Vanelle, tu es dans la relation avec quelqu'un. C'est comme si. Tu vois, avant, quand on te draguait, ça ne te disait rien. Mais ils vont choisir les tu vois les gars grands de taille noire comme tu aimes là. Avec les plaquettes de chocolat comme tu aimes là. C'est que le genre de personne qui va te draguer maintenant. Ah. Quand je vous cherchais, vous étiez où? Tu vois, j'adore quand il parle sa voix un peu. Hi, how are you? Yeah, I was just chilling. I was thinking about you. Yeah, what are you doing? Ah, tu le regardes. Oh. The devil is a liar. C'est pas les gros ventres qui te draguent. Mm-mm. C'est pas les gros ventres. C'est pas les gros ventres petits trucs là qui te draguent. Tu vois déjà les gars que quand tu commences à tu fais avec lui, tu vois ces petits comme ça là. Je sais pas comment j'ai fait pour trouver, pour mettre le riz dans tout ça. Je vous ai dit que moi sur ma chaîne, il y a des choses que vous ne parlez pas. Moi, je parle. Oh my God. Tu es au pays comme ça, là, un beau benguiste vient, il te trouve. Il dit, je suis là seulement pour une semaine. Il me reste une semaine, bébé. Fais bébé. Aïe. Roland, quitte dans le direct. Si tu es marié, c'est quoi et toi? Il ne veut pas les femmes mariées ici, là. Ha 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 ha
Seigneur, tu rentres, tu dis que non, je suis mariée, je dois être fidèle à mon mari. Mais tu te rappelles encore que non. Laissez-moi comme ça. Oh my God. Le diable allait toucher mon frère. Aïe. 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 C'est qu'il y a des gens à qui c'est facile de dire non. Il avait un gros ventre, il était même déjà vieux. Il était même déjà. Regarde. Non. Il dit qu'ils vont que choisir le genre de gars qui est même mieux que ton gars. Non. Il t'envoie les fleurs. Le matin, il se lève. Comment tu vas? Tu as bien dormi? Tu as le genre de voir qu'au téléphone, quand il parle. Oui, bébé, tu as bien dormi? Oui. Alors que ton gars parle. Oui, tu as bien dormi? Oui. Envoie-moi le truc là, non? Non, 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 non. Il est posé. Oui, je suis allé faire mes soins du visage là. Oui, je vais voir après. Je fais pause parce que on sait que c'est vrai. Vous savez, je sais. Donc il y a des détails qu'on ne dit pas. Ça va, laissons comme ça. Que the devil is a liar. Aïe, Seigneur. Quand on te fait le setup, l'embuscade spirituelle, mon frère. Oh my God. Et la période là, tu ne sais pas pourquoi tu avais envie de te mettre toujours bien. Tu ne sais pas pourquoi. Oh, ma brésilienne là, je dois faire mes edges, you know. Tu dois faire mes chutes là. Tu vois les petites là, non, je dois faire mes edges. Alors qu'avant, tu t'en foutais. Tu fais tes edges, tu fais tes soins. Ah, le fou, le gars te regarde. Waouh. Quand il dit waouh, comme ça entre dans tes os. Tu commences à battre. Oh my God. Donc si bisous, tu sais, il y a des choses que... Mais ça vient avec un piège derrière. Parce qu'un engagement, c'est un engagement. Il va même jusqu'à dire, il dit, profite de mon corps, ma chérie, fais tout ce que tu veux. Les femmes, si là, vous avez des quatre enfants à la maison comme ça, là, alors que vous avez fait les choses. Tu vois tout ce que tu vois souvent dans les films, là, les films américains. Non, mais entre guillemets, entre parenthèses, les maris des femmes qui m'écoutent là, faites le sport, je vous en prie. Les tablettes de chocolat sont très belles à voir et à toucher. Fermons la parenthèse, ok? C'est tout ce que j'avais à dire. Bon, je veux une autre plus sérieuse. Quand ça m'est arrivé, Astalo, dis que tu n'as pas envie de sentir ton mari. Pardon, je vais sortir de la santé. Je sors. Je vais sortir de là. Ne me parle plus de ça. Bonjour, Julie. Oh my God. Et toi, quand tu avais lui, tu commences à arriver. Roland, tu aimes le gros ventre, quoi. Ton mari n'a pas le gros ventre. Moi, qu'il a. Oh Seigneur. Je vous assure, je ne parle plus de ça. Il faut que je laisse ça part d'abord, ça doit sortir.
Donc, ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai observé ma vie, j'ai vu que ça, c'est là-bas que je butais à chaque fois. C'est ce mur que je butais à chaque fois. J'ai commencé à me renseigner sur la vie de ma mère. Me suis rendu compte que ma mère avait les mêmes challenges. Ma mère avait les mêmes challenges. Et c'est là que je me suis posé la question. Est-ce qu'il y a des démons dans sa vie qu'elle n'a pas dealé avec? Et que moi, sans le savoir, j'en ai hérité. Et c'est là que je me suis rendu compte que il y a des malédictions générationnelles qui sont très subtiles, très cachées, très fines. Très, très fines. Peut-être ta mère est morte à un certain âge, elle n'a pas pu accomplir pleinement. Tu sais que ta mère avait des dons spirituels. Annie Philomène, laissez-moi avec vos commentaires. Tu sais que ta mère avait des dons, ta mère avait des pouvoirs. Et certains de vos mères, elles avaient ça, mais vous-même, vous n'avez même jamais su. Parce que she struggled. Elle a eu de la peine avec. Elle a beaucoup bataillé avec. Finalement, quand elle t'a accouché, elle a accouché tes frères. Elle a décidé, bon voilà, je ne ferai pas dans ça. Je ne vais pas développer ces dons. Toi maintenant, tu grandis, tu mûris. Certains d'entre nous, nos mamans sont déjà mortes. Donc on n'a même pas l'opportunité de leur demander. Et là, tu te rends compte que tu es en train de faire le même cercle que ta mère a fait. You're going round the same mountain. C'est là que Dieu intervient. Oui, il y a des mamans qui ont aussi des dettes. Elles se retrouvent dans un cycle de dettes. Donc, observez beaucoup la vie de vos mères et grand-mères. Tu vois qu'il y en a, la grand-mère s'est mariée, le mari l'a quittée après. Elle a fait deux, trois enfants avec lui, il est parti ou il est mort. Ta mère t'a eu. Elle a eu tes frères. Après, ton père est parti ou il est mort. Toi maintenant, tu as accouché deux, trois enfants. Le père de ses enfants est parti ou il est mort. Tu te retrouves dans ça. Et nos mamans qui ont eu, peut-être à un moment, elle a eu des tentations. Il y a eu un père du quartier qui la draguait, ou bien des pères au quartier qui la draguait. C'est tout que nos mamans ne vont jamais nous dire. Très rarement, tu vois ta mère qui va dire, voilà, à une époque, tu sais que, voilà, le blanc, il m'avait dragué. Et vous savez que les parents, quand ils faisaient pour avant, ils cachaient tellement que tu ne pouvais même pas savoir. Tu ne peux pas savoir. Tu savais seulement que la mère rentrait le soir à la maison. Elle était à la réunion. Mais tu savais quand même qu'il y a un papa là, que quand il passe souvent au quartier là-bas, je ne sais pas. Et tu n'avais pas les preuves. C'est nous maintenant là que quand on a un gars, on l'amène à la maison. Les mamans cachaient les choses. Tu montres à tes enfants connaissent. Oh, voilà le gars des mamans. Donc, pardon. Essayez de comparer les signes. Mettez un peu les petits signes ensemble. Vous allez voir que y a des murs que vous allez commencer à. T'as l'homme de Tseg, mais. Les badjounais vont venir ici, là. Vous allez voir qu'il y a des choses qui se répètent. Il y a des choses qui réapparaissent. Voilà, une mère m'a dit, si tu veux que tes enfants réussissent, ne trompe jamais ton mari. Mais c'est des choses qu'on néglige beaucoup de nos jours. Et l'ennemi connaît
ce qui solidifie le futur de tes enfants. Il connaît. Ce qui fait que si tu sais que tu ne dois pas tromper ton mari, ne sois pas surprise qu'à un moment tu as tellement de tentations. Ta copine te présente son gars. Vous êtes en train de marcher, ou bien vous êtes deux couples. Tu marches, tu le regardes de derrière comme ça là. Ton mari à côté de toi. Soudainement, les idées passent dans ta tête, genre. Le gars, c'est là, il est mignon. Bêtement, Et le jour-là, peut-être, il est très attentionné, comme dans le dîner. Oh, tu veux quelque chose? Ok, d'accord, prends. Bizarrement, dans ta tête, ça commence à te faire des fausses idées. En fait, beaucoup de ces choses, ça va venir vers vous. Mais si vous n'arrivez pas à détecter, vous n'allez pas comprendre que c'est comme si je me retrouve dans quelque chose que je dois briser, que je dois maîtriser et surtout que je dois éviter de passer à l'autre génération. Parce que nos actes influencent nos enfants. Il y a des enfants que tu as eus. Par exemple, il y a parfois, quand je consulte des gens, tu vas voir une femme, elle va venir avec trois enfants. Le premier enfant, le père du premier enfant est différent du père des deux autres enfants. Et là, les deux derniers enfants écoutent bien la femme. Mais le premier là, il y a une tétutesse là sur lui que tu ne comprends pas. Certaines de ces choses viennent de son père. Peut-être quand tu l'as conçu, l'atmosphère était tellement négative à ce moment-là. Et comme ça, les paroles négatives ont été dites. Ou même encore son père, le père de cet enfant-là, lui-même là, c'est un décepticon. Il fait qu'il a passé beaucoup de choses à l'enfant. Maintenant, je viens vous dire donc, quand tu es en Christ, et il y a beaucoup de choses que je vous enseigne aussi, pour que vous ne soyez pas seulement là comme ça, n'attendez pas seulement que vos enfants échouent, n'attendez pas seulement que votre vie échoue aussi. Ta mère est morte à 42 ans, tu meurs à 45 ans, ou bien ta grand-mère était morte à 38 ans. Tu vois un peu, et observez ces choses. Le but, c'est que une malédiction générationnelle, c'est quelque chose qui se cache. C'est comme ça. Mais pourtant, quand tu veux bien regarder, tu vas voir que c'est là depuis le temps. Depuis là, c'est là. Observe bien. Chez la grand-mère, chez l'arrière-grand-mère, chez la mère, chez toi-même. Maintenant, quand tu observes et que tu peux identifier quelque chose, la chose est déjà. On peut dire que tu as déjà un target, tu as un objectif, que je dois tuer ça. Il y en a peut-être, vos mères, c'était des femmes qui sortaient, elles sortaient, elles ne pouvaient s'empêcher de coucher avec beaucoup d'hommes. Évidemment, elle a attrapé une maladie, c'est ça qui l'a tué. Pardon. Toi, tu grandis, tu te maries, et depuis un certain temps, tu sens cet esprit de prostitution-là qui veut venir sur toi. Parce qu'il y a quelque chose qui vient pour te réclamer un moment. Bon. J'espère que c'est passé. J'espère qu'on a compris. Il vient nettoyer l'atmosphère. Seigneur, je te remercie pour ta sagesse. Je te remercie parce que tu nous ouvres les yeux chaque jour. Je te remercie parce que tu nous guides. Je te remercie parce que tu nous montres aussi comment guérir les blessures passées. Tu nous montres comment ne pas répéter nos erreurs. Tu nous montres comment ne pas répéter les erreurs de nos parents. Merci parce que tu fais. La Bible dit que quand tu es en Christ, tout est nouveau.
Nous venons à toi aujourd'hui, papa. Nous déposons tout cycle répétitif négatif, tout péché générationnel qui se répète dans nos familles. Et nous te demandons la grâce de faire le travail qui est nécessaire. Il y a le kit fondation, par exemple. Tu peux aussi prendre un jeûne sec. Tu peux aussi prendre, tu fais même 7 jours de jeûne. C'est pour ça que quand vous faites le kit fondation, je vous demande toujours, prenez des jours de jeûne. Et parfois, tu peux faire plusieurs fois ce jeûne, c'est-à-dire en janvier. Le Seigneur te montre 3 démons qui se passaient dans votre famille. Tu jeûnes pour dealer avec eux. En août, 8 mois plus tard, le Seigneur te montre encore un démon qui est là, qui était caché. Parce que les démons aiment se cacher. Dès que tu le trouves, pam, n'oubliez pas le jeûne d'abord dessus. Le jeûne, tu élèves la voix, tu brises les chaînes. J'ai enseigné, ça fait 2 jours sur le jeûne sur la page. Allez regarder. Allez sur Facebook. Facebook, c'est The Gift Digger Academy. Ou bien YouTube, The Gift Digger Academy. Béni de Dieu, je ne suis pas à Yaoundé, mais je traite à distance. Donc, si tu es à Yaoundé, tu peux prendre des produits sur place à Yaoundé. On a un local à Yaoundé. Donc, on va faire le lavage demain. Ceux qui avaient leurs règles les autres jours, demain, on va faire un autre lavage. Donc, j'ai fait un enseignement où je vous ai donné Isaïe 58. N'est-ce pas là le jeûne que j'ai demandé pour briser les chaînes de la méchanceté, pour rompre les jougs. Donc, quand tu identifies, tu dis, Seigneur, voilà, je jeûne pour enlever ça de ma famille. Ça, tu pointes la chose. Tu parles à la montagne. Donc, j'ai fait ça. On a commencé à jeûner le 30 novembre. On a fait 30 1er, 2 et 3. Donc, on a fini hier. Ce qui fait que si vous êtes arrivé, allez sur la page, vous regardez la vidéo que j'ai fait le 1er décembre. Donc, les numéros pour ceux qui sont à Libreville, le 074 18 00 80. 074 18 00 80. Deuxième numéro, ça c'est le seul numéro de Libreville, on va dire comme ça. Pour le Cameroun et pour tous les autres pays, prenez ce numéro. Plus 237, voilà, c'est ça pour le Gabon. 074 18 00 80. Pour tous les autres pays, États-Unis, tout ça là, je vais vous donner 2 numéros camerounais parce que je suis basé au Cameroun, pas au Bénin. Actuellement, je suis à Libreville. Donc, ceux qui sont à Libreville, ils veulent les consultations. Je suis à Libreville jusqu'à fin de décembre. Voilà. Donc, plus 237, 693, 50, 22, 66. Plus 237, 693, 50, 22, 66. Maintenant, le deuxième numéro du Cameroun. Plus 237, 680 71 07 01 plus 237 680 71 07 01 voilà. Le nom de Facebook et YouTube, c'est le même nom. Ceux qui connaissent, je vous en prie, postez ici. C'est un nom en anglais. The Gift, comme le cadeau. Gift. The Gift Digger. D-I-G-G-E-R. Donc, T-H-E, 2, espace, Gift. G-I-F-T. Donc, The Gift Digger. Académie. Avec Y. Donc, tu vas sur YouTube. Tu peux aller sur YouTube, tu écris Jocelyne Kouo. Où tu écris The Gift Digger Academy, tu vas voir les vidéos. Voilà, c'est ça. Daniel, tu as bien écrit The Gift Digger Academy. Donc, le nom de YouTube et de Facebook, c'est ça. Vous aimez la clochette, hein? Je vais encore faire sonner la clochette.
Le temps de votre libération est arrivé. Nila, tu dis que le lavage au sel est puissant. Votre lavage au sel, et c'est puissant, les ennemis qu'on voit dans les rêves à sel. Paralia, tu viens me demander ma main sur TikTok. Eh oui. Je viendrai en Italie, je viendrai. Ok. Que tout ce qui a été déposé ici comme fardeau ne soit plus jamais repris. Que tout esprit qui est sorti de votre cœur, de votre corps, déclare qu'il ne revienne plus jamais. Toute purification que vous allez faire dans les jours qui vont arriver, je déclare que le Seigneur vous purifie, qu'il continue de vous libérer, continue son travail dans votre vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Les vidéos pour le lavage au sel, c'est sur la page. C'est sur la page TikTok. Le chapelet, si on n'a pas écrit catholique dessus, hein, on n'a pas écrit catholique sur ça. C'est le chapelet, non. Il ne voit pas dans mon ami que c'est pour les catholiques. Donc je porte moi le chapelet. Bain de sel pendant les règles, non. Ok. Ok, bon, au revoir les gens de TikTok, à demain. Facebook aussi, bye bye.